Allez, on se retrouve dans un peu plus d'une demi-heure pour un live sur Minecraft. Go ahead and introduce us. Freestyle Friday number, what number is this, E? 22. I don't know. It's 20. Fuck it. Let's go. Y'all, how many of y'all report live from the hospital? I'm so ill. Run rappers over. Roadkill. No ice, no grills, no frill. More nice, more scales, more rail on your stereo every. So hurry, hurry. Turn it up a notch. Turn it up a lot. I'm burning up the blocks like a pot for the Lego. Drop it like a swagger, then I ask the Luego. Pasta and Pego. Pasta Alfredo. When the cop with a rocket with a pocket full of pesos. Blaze shows, make the crowd say. Now me and Mr. Bago in a Winnipeg. Go. A New York giant. I take no midgets. Star work hard like an immigrant to get it. I am my biggest fan and critic. Goddamn, if I ain't this shitty. Yeah, bitch. Unscripted, skip past the read through. The flow's water I breathe through on sea dudes. I see food, I eat food, I need food. Tough to keep my weight up running circles around these weak dudes. Transparent, the rest are all see through. We complex, we vex when we don't mean to. I'm in the fucking house, you gotta lean to. And if you follow me, I'll give you real shit to tweet to. You bring the drama like Landon Donovan, but I'm trying to keep it cool. I'm in my sandals, polying. No hollering, I'm talking to grown ups. Zipper cack in the flanges, the hands get thrown up. I'm like a singer, man, I got this sewn up. Like a cop who split his pants eating too much donuts. You got cake, that's great, but so what? I'm still
still be hungry, stealing extra packs of peanuts. Like bang, bang, we don't even aim. I don't see a gun, but I see a blue flame. Hotter than the city, go ahead and make it rain. Better cough it up, cause I'ma make this bell ring. And look who's next, it's Mr. Two-Step. That was last summer, back with a new step. I shine, cause I grind while you snap. Mr. Keep on moving, cause that's what I do. Yes, go hard, a strong arm like Bogard. No fraud, those fakes are just blowhards. All bark, no bite, they got no jaws. I rip stripes, the mic can pay homage. Space on my spaceship, 295 on the parkway. Broke down, now I move clouds like the Mark train. Flow so good, I can't believe it's not parking. I get spins, I get played like a car game. Hey, still sicker than the BP spill. No bifocals needed just to see we ill. Wrap it up, doggy bag, let me see that bill. Black Paisley 2010, I don't need that deal. Cause I bang, bang, we don't even aim. I don't see a gun, but I see a blue flame. Hotter than the city, go ahead and make it rain. Better cough it up, cause I'ma make this bell ring. Come on. Bang, bang, we don't even aim. I don't see a gun, but I see a blue flame. Hotter than the city, go ahead and make it rain. Better cough it up, cause I'ma make this bell ring. Yeah, Freestyle Friday number 22. Thanks to my homeboy Calm for killing it. We'll be right back.
Allez, plus que 20 minutes. Oh là là, c'est la folie.
Je ne cautionne pas cette musique. Allez, plus que 10 minutes et on se retrouve en direct sur Minecraft. It's alright.
Et bonsoir à tous, c'est Didi, j'ai oublié d'activer mon micro, c'est génial. Donc, on est en live ce soir à partir de 1h du mat, comme vous le voyez. Jusqu'à, je ne sais pas. Normalement, je devais faire le live avec Riser, apparemment il est dispo. Alors, je vais l'appeler tout de suite, attention, c'est parti. Alors, faut qu'il m'appelle parce que lui, il apparaît en... invisible. Ah, ça y est. Oula, ça bug. Ah, y a mon Skype qui a planté. Ok, cool. Bon. C'est qui ? Allô ? Je suis le gars. Mon Skype a planté, on m'entend ? Oh, c'est génial. Bon, mon Skype a planté. Et c'est pas le seul truc qui a planté. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Oulala. On m'entend ? Oui, on t'entend. Il y a mon Skype qui est totalement buggé. Mais bonsoir, tu es en live sur YouTube. C'est magnifique. Ta voix coupe dès que tu dis un mot. C'est magnifique. Non, mais je sais pas, c'est... Je vais... Tu m'entends toujours ? Oui. Skype ne répond pas. Bon, attends, je ferme et je rouvre. D'accord. C'est vraiment la misère, je suis désolé. On fait comme on peut. En attendant, vous avez une super musique de fond, c'est déjà pas mal. Et je vous passerai la vue sur Minecraft. Alors, Chryser, j'arrive. Voilà, normalement il peut m'appeler maintenant, c'est bon. Il peut y aller à... Allô ? On m'entend bien ? Ou on m'entend pas du tout ? Allô, oui. Oh bah il y a des problèmes de connexion. Allô ? Ah, c'est Chryser, allô ? Allô ? Oui. On m'entend ? Est-ce que tout fonctionne ? Ah ah ! Ça fonctionne ? Ah, il y a des problèmes, dis donc, ce soir. C'est génial. Ouah, allô ? À l'huile ! Problème de connexion. Qu'est-ce qui se passe ? Ouh là là ! Il y a des problèmes. Je suis d'un vrai. Allô ? Allô, oui ? Tu m'entends ? Il m'entend pas. Je crois qu'on t'entend. Tu m'entends ? Ah non, on t'entend plus. Tu m'entends vraiment ou pas ? Si tu m'entends, tu dis saucisse. Saucisse. Ah, bon. Alors voici la map de Didi Show que tu pourras mettre sur ton serveur, voilà, c'est cool. Donc, je disais, you are en direct. Ah ben parfait, un petit bonjour au personnage qui est en train de suivre la vidéo, actuellement. Tout à fait, je ne sais pas combien on est, mais on est sûrement des milliards. D'accord, ça se trouve il y a une personne qui suit. Si ça se trouve, c'est déjà pas mal. Honnêtement. Donc ce soir on va faire un village en direct, c'est magnifique. C'est juste un truc de ouf. Donc je vais vous montrer la map en solo déjà. Je lance Minecraft, c'est incroyable. Attention, je change de scène, c'est du suspense de fou. Voilà, on y est. Comment ça va, Chryser ? Eh bien, ça va très bien. Eh bien, c'est ça qu'on aime, c'est quand ça va bien, c'est quand il y a de la bonne humeur. Et moi, je dis, j'étais en train de fabriquer un petit programme tout à l'heure, oui, je me la pète peut-être un peu, mais... Nous t'écoutons. J'ai fait une boîte à jingle.
Mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Mais qu'est-ce que c'est, Lil Didi? Mais qu'est-ce que t'as inventé là? C'est tout simplement... Kreiser va nous faire une blague. Vas-y, fais-nous une blague. Alors en fait, c'est deux saucisses qui sont dans un four à micro-ondes. Et il y a une saucisse qui dit « Eh, mais il trouve pas qu'il fait chaud ?» Et l'autre, elle fait « Oh mon dieu, une saucisse qui parle !» J'attends le jingle, dépêche-toi. Je me sens nul. Et bah, en fait... Il n'y a non, pas de jingle. Le jingle est passé seulement, hein. Tu n'entends pas sur Skype parce que tu n'entends que mon micro. Mais sur le live, normalement, le jingle est passé. D'accord. Voilà. Et je peux raconter une autre blague. J'ai d'autres petits jingles marrants. Tu connais la blague du petit déjeuner? Non. Mais t'as pas de bol. Ah, tu verras dans le live, le jingle est vachement bien. Alors là, j'ai mis des badumts et des points. Mais je peux aussi mettre des rires, hein, si tu veux. Si tu fais une blague réussie, okay. Je peux mettre des rires. Vas-y. Fais-moi rire. Tu veux que je te fasse une blague encore? Ouais, une dernière. T'es fort, toi. Non, j'ai que des blagues de merde. Attends, j'en cherche une. C'est pas grave. Illus Didi. Oui. Fi. Oh mon dieu, c'est horrible. Bon, on va arrêter ce massacre. Bon, vite. Fais un serveur que je rejoigne et qu'on construise. Moi, c'est moi qui fais le serveur? Non, vous mets pas alors. Au pire, passe-moi un fichier tout prêt, wesh. Mais je t'ai déjà envoyé la map? Non. Mais je t'ai passé le lien de la map? Non. Ah, sur Skype, wesh. Non. Si. Non. Si. Je te le renvoie. Oui. Tu l'as là? Non. Et là? Mais tu me l'as envoyé où là? Sur Skype. Mais je te l'envoie sur Amachi si tu veux. Ouais, voilà. Ah ah. Alors, Amachi. Je cache un peu la fenêtre juste pour que vous puissiez pas voir parce que MDR. Alors, je t'envoie sur. Oh ma chie, le lien, voilà, tu l'as eu là? Là je l'ai eu. Ah, formidable. Donc je vous remets la petite fenêtre. Alors on est sur la map de Didi Show en pleine construction. Vous voyez un truc que Chrysler n'a pas encore vu, c'est la nouvelle construction que j'ai faite aujourd'hui. Je l'ai faite entièrement aujourd'hui, donc c'est une grande place avec un défilé de mode, des magasins et des toilettes. Chrysler se demande déjà, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Exactement, c'est trop ça. Voilà. Donc. Eh ben, je te laisse le temps de télécharger la map. Oui, mais je la mets où la map? Il est très gentil celui-là. Eh ben, tu fais un nouveau dossier, tu prends le serveur exe. Je suis en train de faire ça, s'il vous plaît. Ah ah. Eh ben, tant mieux. Alors, tu le mets en 1.6.1. Enfin, moi je suis en 1.6.2, mais je peux régresser grâce au nouveau launcher Minecraft, c'est formidable. Oui, d'ailleurs, il va falloir que je trouve le launcher Minecraft parce que j'ai dû le paumer, donc c'est magnifique. Voilà. Bon, alors je vais arrêter de me balader dans tous les sens. Sûrement, vous avez déjà envie de vomir. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite balade en montagne russe. On y va. Hop là. Et promis, juste après, on se retrouve en multi et on va faire un truc sympatoche. Oh, un petit village... qui animera un peu notre ville. Voilà, donc c'est un village parce que évidemment dans une ville comme ça, une grande ville avec plein de studios, il faut des gens. Mais les gens, ils font comment pour survivre? Et ben, ils habitent dans des maisons. Voilà, c'est tout. Voilà. Et c'est parti pour les montagnes russes de la folie. Les montagnes russes cheap, hein, quand même. Hop. Oh, c'est génial. Yeah. Je peux même augmenter la musique pour... Bien sûr, Chrysler n'a pas la musique. Non, je n'ai pas la musique, désolé. Yeah, ça le fait. Hop. C'est navrant que tu n'entendes pas ce que j'entends, genre les petits jingles marrants. Hop. Ah, chute libre de fou. Je suis désolé si ça rame un peu. Même beaucoup, ça se trouve. Un peu beaucoup. C'est vous qui le dites. Bon, alors, on va lancer un petit serveur. Et, ah,
super roller coaster de fou. N'empêche, je suis assez fier quand même de ce truc. Ouais, disons que bah, c'est assez bien réalisé. Bon, voilà. Bon, c'est pas très. On peut faire mieux, mais tu t'es pas. Ah oh bah merci. Non, c'est non pas... mais franchement, on peut faire mieux. Oui, évidemment. Il y a des, tu vas voir sur YouTube des trucs beaucoup plus aboutis, mais disons que au côté esthétique, ça se marie bien parce que en fait, il y a plusieurs parties dans cette map. Un côté jeu et studio. Ouais, une partie mini-jeu. Bah, c'est un peu mélangé. Une partie mini-jeu, studio. D'accord, donc c'est méga bien. Tu sais le lien que tu m'as envoyé sur Skype, je viens à peine de le recevoir. Ah, cool! Super Skype, j'adore. C'est bien, c'est bien. Bon alors écoute, le serveur est... Le serveur est lancé, je crois. Bien. Je vais vous faire une petite visite du magasin que j'ai créé, donc aujourd'hui. Magasin de mode, hein, on peut acheter des vêtements. Bon, ça ressemble à des bibliothèques, mais imaginez que c'est des vêtements. Ok. On peut acheter également des tableaux d'autoportraits. Je vous montrerai ça à Chrysler juste après. Voilà. Et tu me dis donc quand le serveur est lancé. Il est lancé. Il est lancé. Attends, formidable. Donc, je ferme la fenêtre quelques secondes. Je suis désolé, vous ne voyez rien. C'est dommage. Alors, je dois régresser. Donc, je dois changer la version de Minecraft. Et heureusement, grâce au nouveau launcher, c'est super simple. Alors, j'étais en snapshot 1.6.2. Je vais... 1.6.1. Hop. Est-ce que je peux jouer? S'il vous plaît. Ah ah! Apparemment ça fonctionne. Oui, formidable leur nouveau launcher. Donc je vous remets la fenêtre, sauf que cette fois-ci ça a tout décalé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer et je vais refaire une screen région. Voilà. Donc ça, j'ai dit. On supprime et ça on remet ça, on remet devant et voilà. Multi. Ah merde, vous avez vu tous les IP de serveurs. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, c'est pas des serveurs illégaux. Ah, figurez-vous que je me retrouve avec Gogo. Où est Gogo? Eh ben, je suis devant mon magnifique studio. J'ouvre un peu parce qu'il faut aérer là-dedans parce que... Tu peux me hop, s'il te plaît, non, quand même. Non, désolé, je ne te prie pas. Je peux rien faire. Ah, merci. Donc, je disais, sache TP. Donc, tu peux venir. Ici. Et regarde là-bas, j'ai fait un nouveau truc. Allons voir ça. Ah, on peut voler, c'est plus rapide. Voilà. Je te laisse admirer. Donc, ça c'est une totale inspiration des Sims Superstar. Donc, c'est vraiment presque de la copie. J'aime bien ouais. les tables. Les oui. tables bleues. C'est fait avec les nouveaux tapis de la 1.6. Ouais, je trouve ça, ouais. Bah, c'est, ouais. C'est assez joli. Ça, c'est un défilé de mode. Donc, c'est un truc pour défiler, tu vois. Oh, je suis belle. Hop, demi-tour. Hop. Voilà. Et donc, ici, évidemment, c'est ici que les gens se changent. D'accord. Et les champignons n'ont pas poussé, tiens. Non, ici, il n'y a pas de champignons. Voilà. Entrée sortie, méga swag. Ici une petite boutique pour acheter des vêtements évidemment avec des salles de change. Oui, il y a même un... Lol. Oui, donc voilà, c'est ici les tableaux d'autoportrait que tu peux acheter. Magnifique. Voilà, c'est vachement bien. Je ressemble à ce mec. Oh, n'est pas la grosse tête non plus. Voilà, petite fontaine sympatoche. Et évidemment, les WC, c'est primordial. Ah oui, d'accord, mais le gars, il a fait des WC séparés. Occupé. En gros, là, par exemple, là, je te vois ce que tu fais. Là. Oh non. T'es pas un peu serré, juste comme ça? Non. D'accord, mais en fait, ça, c'est quoi, ça? C'est un petit coin... C'est un coin défilé, détente pour riches, enfin, voilà. Ouais, bah, ça provient de l'univers des Sims Superstar, voilà. D'accord, bah écoute, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Formidable, si tu aimes bien, j'aime bien. Donc, on va se mettre à bûcher, non? Non, nous sommes en créative. Non mais à bûcher, je parle bûcher travailler, du style on commence à faire... Ah oui, oh, comme ça rame! Notre petit village. Oui, oui, oui. Il y a du mal, mon petit pistounet. Bon, alors...
On le fait où, notre village? Déjà, faudrait le faire dans un coin peut-être un petit peu séparé des studios. Ah, mais oui, tu m'avais dit là où on mettait un parking, là, vers la grande route. Ah oui, alors suis-moi. Donc j'ai également fait l'hôpital, donc je l'ai réduit de taille. Hein. J'ai fait un hôpital tout petit, tout cheap. Mais au moins, il y a un hôpital, c'est déjà pas mal. En gros, si on se blesse, on est tranquille. Si tu te blesses, soit il y a la place, soit il n'y a pas la place. Il n'y a que deux chambres d'hôpital. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc ici, on avait dit un parking. Ouais, ici on pourrait faire un parking, ouais. Et bah allons-y. Je propose que l'on délimite le parking avec ça. De la cobble moche. Qu'est-ce que t'en dis? Non mais calmos, on va pas jusqu'à faire ici là. Voilà. Ça c'est, ouais, c'est une bonne idée ça. Et donc ici on met évidemment le macadam. Ouais. On va peut-être ouais, parce que sur de l'herbe, ça fait un peu un vieux parking de clochard. Ça fait un parking de petite foire moisie dans les champs. Attends, on va le faire jusqu'à où le parking? À la limite, on peut le faire jusqu'ici. Là. OK. C'est un grand parking parce que c'est pour les grandes stars. D'accord. Et il y aura juste à côté un parking spécial limousine, donc un truc de super long. Excusez-moi. Alors le truc c'est qu'on n'a pas MC Edit vu qu'on est en 1.6. Et on va dire surtout. Ouais voilà, ni World Edit, ni blablabla. Mais c'est pas grave, on le fait à la force de l'huile du coude. De l'huile du coude, mais parfait. Ce qui va nous prendre 4 heures. Alors nous avons les petites banderoles, ah non j'ai pris les mauvaises, qui nous permettent de faire des petits chemins. Alors on va faire 1, 2, on va commencer ici déjà. Voilà. On fait une place handicapée. Allez, il en faut bien une. 1, 2. Est-ce que ça va? Ça? Non, les gens, ils ont des grosses voitures, ils sont riches, alors on a le droit de mettre 3 d'espace. Oh, c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, bah ça fait une belle bagnole, là, t'es tranquille. Ouais, ça fait une belle bagnole. Une place comme ça. Alors ça c'est la place handicapée. Donc pour faire la place handicapée, on va dire il y a des handicapés. Voilà, imaginez, ça c'est un signe d'handicapé. On va dire. Alors d'ailleurs ça me donne une idée. On pourrait peut-être imaginer aussi un petit système de route dans cette map avec des feux et tout. Oh, les feux tricolores et tout, c'est faisable. Honnêtement c'est faisable, mais 20 view, ça risque de faire tout laguer. Mais non. On te demande pas de les faire marcher. Ah! Juste pour des feux de décoration, on va dire. Oui. D'accord, donc aussi handicapé, c'est un petit Z bleu. Eh ben oui. Eh ben, ça se reconnaît, hein. D'accord, mais magnifique. Voilà. Donc, ouais, les feux, non, pas spécialement. Les gens, ils sont riches, c'est des gens qui sont payés pour faire conduire des limousines, ils ont bien le permis. Voilà. On est riche à Didi City. Oui, j'avoue. On va faire des belles maisons. Ça dépend, on peut faire peut-être un village pour clochard aussi. Ah, des quartiers dans, ouais, dans un village. Un quartier style riche. Un quartier clochard, un quartier bord de mer, un quartier montagne. Allez. Alors, bord de mer, c'est de l'autre côté, malheureusement, on pourra pas. La mer est de l'autre côté. On s'en fout, on construit une mer, allez. On fait un souterrain. Ah non, j'ai déjà fait une mer de l'autre côté. Et puis, c'est compliqué parce que la mer, c'est un peu grand. Et quand c'est grand, c'est long à faire. Oui, bon, ça va être au bord d'une flaque. Voilà, au bord d'un petit lac sympatoche. Oups. Allure. Ah bah merde. Bon bah du coup, ça sera juste à côté. Bla 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 bla. Comment je détruis tout ce que t'as fait? Comment t'es trop horrible. Ouais, je sais. Et comment nous, on rase l'herbe pour mettre des parkings? La végétation, tu t'en fous un peu, j'espère. Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis des trucs avec des arbres et des hautes herbes. C'est parce que je m'en fous. Non, je t'en prie. Le gars, il rase 5000 blocs de...
d'herbe juste pour faire un gros parking pour riches. Et maintenant, un parking spécial limousine. Alors attention, là ça dépote. Alors attends, je vais mettre un panneau histoire de... Est-ce que c'est bien ça? C'est pas assez. Ça c'est pas mal. Maintenant on fait ça. Pour ce que les limousines, faut que ça tourne. Et une limousine qui prend un virage, autant vous dire que c'est pas gagné. Ah mais t'as besoin moins de 25 mètres. Je me demande d'ailleurs comment ils font. C'est comme les, bah c'est comme les bus, hein, tout simplement. Comme les bus et les camions, ils ont pas le choix. Et les trottinettes. Et les trottinettes, ah oh, les trottinettes, mon dieu. C'est juste monstrueux, quoi. Mais les trottinettes, mais tu sais quoi, il te faut 20 minutes pour faire un virage. Attends, moi j'ai laissé tomber il y a longtemps. Hein. Ah moi, je peux te dire, trottinette, j'ai galéré. Hein. Alors, on va faire ça comme ça. Ah merde. Trompé. Voilà. Et... est-ce que c'est faisable comme ça? 1, 2, 3. Ah merde. Bon, on va dire c'est faisable. Il y a deux... Il y a place pour deux limousines. Oula, ça fait... Attends, mais là, tu peux faire combien de limousines là? Tu peux en mettre deux là? Ouais, juste deux. C'est tout. Non, mais genre, tu en mets une là... Et une ici, par exemple, et une ici. Ça. Ah non, parce que tu, je t'ai dit, limousine, il faut qu'elle tourne, et pour tourner, il faut qu'elles aient de la place. Ah oui, d'accord. Alors. Ah oui, mais le gars, oui, d'accord. Et moi, j'ai prévu de la place pour les limousines. Genre. Comme ça. On pourrait faire à la limite une limousine dans Minecraft. Enfin. Ça sera pour un prochain live, je pense. Je sais pas. Même. Je sais pas. Je pense pas qu'on le fera quand même. Quoi que. Ne dis jamais. Voilà. J'ai pas dit jamais. Hein. Attention. Monsieur le ministre, sachez que la France va mal. Et que les saucisses sont cuites. Oh là oui, bien grillées. Et que Strasbourg s'écoule. Oui, car les saucisses de Strasbourg, knack, RPZ. Yeah. Voilà. Merde. Voilà. Donc là, il y a bien le virage. La place pour en faire rentrer les limousines. Hein. Ouais. Je pense que c'est bon comme ça. On est prêt. Alors, est-ce qu'il faut une limousine spéciale handicapée? Je crois pas. N'importe quoi. On se moque pas des handicapés. Hein. On se moque des limousines. C'est pas pareil. Mais bien sûr que oui. Je crois que c'est bon comme ça. Attends, un petit test quand même. Ouais, c'est pas mal. Même la nuit, ça rend bien. Ouais. Zéro. Alors, j'ai envie de faire un test. Tu vas me dire si tu entends quelque chose. Ah. Ah, mais c'est normal, on est en 1.6 point, je sais pas quoi. Là j'entends. Ouais, ouais, mais en fait en 1.6.1 il n'y a pas la fonction jouer le son pour tout le monde. C'est que pour une personne à la fois. C'est dommage. Ah d'accord. Alors parking limousine. Ah tiens, t'as même mis des panneaux, c'est bien. Bah, j'ai mis l'autre, j'ai mis un truc là-bas aussi. T'as mis parking VIP. Ouais. Et là, place handicapée bien sûr. Car il faut pas les oublier. Ni les négliger. Tout à fait. C'est à peu près la même chose. Donc ici, je mettrais bien un peu de herbe. Parce que moi, j'aime bien l'herbe. Hop, 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 hop. Ouais, d'accord. Tu aimes l'herbe? Le gazon, évidemment, la verdure. Et parce qu'il y a des sous-entendus énormes dans ta phrase. Mais non. C'était pas fait exprès du tout, d'ailleurs. Et moi, je propose une petite partie de l'acrobranche. Youpi, c'est la fête. De l'acrobranche alors qu'il y a une piscine dessous. C'est de l'aquabranche. Mais comme je rame. J'ai des gros coups de ramage. Ah ah, c'est navrant. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Un truc du genre.
C'est donc c'est compliqué. Je reviens tout de suite. Alors, on va faire ça comme ça. Ouais, non, pas le... Attendez, c'est la grosse misère. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas. J'essaye un truc. Non, oh, merde, j'ai changé le thème de mon PC sans faire exprès. Bien joué. Ah, il a planté là maintenant. Oui. Bon, c'est pas grave. À la suite. Et vous savez que comme on est en 1.6.1, il y a notamment les jukebox. Ah ah, tu vois où je veux en venir. Non. Bien sûr, je Et les disques. Alors, je vais mettre un disque avec une musique libre de droit. Où es-tu? J'arrive vers toi. Il faut qu'on fasse un filage, je crois. Hein, hein? Il faut qu'on fasse un village. Oui, exactement, c'est pour ça que je suis là. Où le faisons-nous? Dans un coin joli, avec des arbres. C'est-à-dire pas ici? Non mais là c'est avec un parking, donc on va pas faire avec près des voitures. Bien sûr. Moi je dirais vers le nouveau truc que tu as construit là-bas. Oui, ça c'est une bonne idée. Éventuellement on a une place, je vois. Une place, bah juste derrière. Hein. Bah exactement, on peut se mettre là. Hein. Du coup ça ferait un peu... allons-y. Alors je vais délimiter, tout de même. Ouais. Avec de la cobblestone wall. Non, mais juste faire les coins. Donc le village, il commence de... Il faudrait qu'on fasse une petite route quand même. Qui... Attends, je vais m'occuper de la route. Là. La route. Oui, donc le village, il commencerait ici, c'est ça? Ouais, là on, là on pénètre dedans. Oui, donc ça, c'est l'entrée à pied. Évidemment, il y aura une entrée en route de l'autre côté. Ouais, on la fera partir de la route là-bas et du parking. Musique. Ah non, il n'y a pas. Faut que je mette du son. Non, il n'y a pas de son. Si, moi j'entends. Faut que je mette le son aussi chez moi, sinon ça va pas. Voilà. Aha. Donc, on peut travailler en musique maintenant. Hop, hop. Ça fait quoi si je pète le panneau? Ne le fais pas. Village en construction. Y'a personne qui verra ce panneau. Je m'en fiche, c'est pour faire l'URP. Formidable. Bon, veux-tu bien nous maintenir... nous délimiter le village, pardon. Oui. Donc ça commence ici, évidemment. Et je dirais... Que, bah, vers ici ça peut aller par où on veut, par contre par ici ça peut aller jusqu'à ici à peu près. Voilà, vas-y, construisons. D'accord, donc je pense au petit village, on lui ferait peut-être une place principale. Moi je dirais en plus d'une place une allée, donc une allée principale. Bah là, tu vas pas faire une grande allée, regarde, hein, jusqu'à ici. Oui, ici, non, ici, ça, c'est... Ce petit coin, au pire, on va en faire un parking. Ah non, un parking, n'importe quoi. On va en faire un petit coin d'herbe. Ouais. Avec des bandes. À la limite, la vraie entrée, elle commencerait ici, tu vois. Où L'entrée commence. Comment tu veux entrer par ici? Je te montre. Tu n'as pas l'air de comprendre, petit scarabée. Si, c'est bon, je comprends, c'est bon. D'accord, et bah après, écoute, on fait ça. On va faire un petit coin jardin. Attention, tu vas descendre. Ouh. Alors, je rame comme pas possible. C'est navrant. Voilà. Oups.
Alors si vous voulez savoir le nom de la musique, je ne le connais pas. cette musique, elle est connue quand même. On la retrouve souvent dans les génériques de vidéos. Ouais, le lag du sprint, c'est incroyable. Je sais pas si ça te le fait aussi. Non. Je sais qu'ils ont corrigé ça dans la 1.6.2, mais je m'en étais pas rendu compte, c'est incroyable quand même. Le lag du sprint. Qu'est-ce que ça fait un trou? Ouais, c'est-à-dire, je double-clique et ça sprint seulement au bout d'une seconde. C'est vraiment étrange. Lol, c'est qu'un petit bug de rien du tout. Comment tu te plains beaucoup? Ouais, moi je me plains parce que j'ai la vie dure, j'arrive pas à sprinter. Bien! Alors ce que j'ai fait c'est vraiment moche par contre. Ça, on va enlever. Abuse pas sur l'herbe par contre. L'entrée est d'ici, hein, je le rappelle. Attends. Et je propose une allée principale. Avec par... des arbres. Par ici, avec des maisons de chaque côté, vois-tu? Ouais, je vois. Je vois-tu. Alors par contre, les maisons elles ont des beaux jardins. Vois-tu? Je vois-tu. Donc il faut doubler l'espace. Donc le jardin il ferait à peu près cette taille là. Tu vois, du mur du magasin là. Jusqu'ici, ça c'est le jardin. Ouf. Oui, les gens sont riches, rappelons-le. Enfin, plus c'est proche de la ville, plus c'est riche. Hein. Rappelons-le. Ok, ce qui ferait qu'il y aura... Ce qui fait qu'il y aura une maison à peu près ici, et l'avant de la maison qui ferait à peu près ça. Wouh. ça ferait ça. D'accord, donc ça c'est une maison. Ça c'est une maison. D'accord, bah tu sais quoi, je vais faire les jardins moi. Non, tu verras, c'est assez simple. On peut faire une maison déjà la première ensemble, avec le jardin. Ouais, bah écoute, commençons par ce que tu veux. Alors déjà, pour délimiter les jardins, rien de mieux que de l'herbe. Des feuilles, c'est presque pareil, c'est vert. Putain, c'est pas très... comment on dit? On va un peu nous voir, hein, à travers les haies. Ah, mais toi, tu es en fancy. Oui. Tu as les graphismes en fancy, moi je vois pas à travers. Mais c'est pas grave. Ah oui, on voit. Ah oui, c'est complètement magnifique, on ne voit pas là. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, même en vrai, on nous voit, on s'en fiche. Bon, on s'en fout, bien sûr. Musique! Je voulais un CD. Qu'est-ce qu'on met? Tu veux pas faire un système de redstone qui fait un ça CD... Ça, c'est pas possible. Un CD infiniment. Allez, on met ça, parce qu'on est okay. Des fous. Et on aime bien le violon. Alors, le jardin, il fait ça. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus, beaucoup plus. Le milliard. Le milliard. Pardon, je me tape un délire. Nous excuser. Nous avons perdu la connexion avec le cerveau d'Illustiti. C'est ça. Non, t'as regardé Les Inconnus, la parodie sur le loto, là. La roue du million. Veuillez vous calmer. Le milliard. Ouh là là. Et critique. Moi, je vais nous faire une piscine de fou. Tu vas voir. Alors, le truc pour faire un jacuzzi, je vais vous le montrer juste après, vous l'avez probablement déjà vu. Pour faire effet jacuzzi quand on est dedans. Hugo, tu le connais déjà. Ah oui, je vois de quoi tu veux parler. Est-ce que je le fais là? Bien sûr que tu vas le faire. Ouais. Les gens sont riches, tu vas tout faire, tu fais tout comme il faut. Voilà. Je le fais ici, alors attention, là on creuse une piscine. Alors voilà, donc l'effet c'est de en fait faire une profondeur, pas de 1 bloc ou 2 blocs, mais de 1,5. Du coup, quand on va poser l'eau va atteindre à peu près notre cou, notre menton. Et du coup, ça donnera vraiment une sensation d'être dans l'eau. Et pour une fois, je suis pas peu fier de vous dire que c'est moi qui l'ai inventé. Enfin, j'ai certainement pas inventé, mais je l'ai découvert. Et regardez, on se croirait vraiment dans l'eau. Magnifique. Voilà. Avec juste la tête qui dépasse, c'est formidable. Avec la musique d'ambiance et bien sûr le soleil. Parce que là il n'y a pas de soleil. c'est formidable. Oh, ce RAM. Quand j'ai un diaporama, quand j'ai un changement de fond d'écran, ça rame d'un coup, c'est bizarre. Je suis vraiment. Venez nous excuser pour ces problèmes. Alors. Je lis un peu les commentaires.
Oui, merde. Passe le bonjour à Chrysler de ma part, s'il te plaît, car je vous suis depuis longtemps. Donc, big up à Jamsco. Ah ouais, bah, good luck alors. Salut. Ça va durer jusqu'à quelle heure? Réponds dans ta vidéo. Eh ben... Ça va durer jusqu'à 4h du matin environ. C'est ça. Ça va durer jusqu'à 4h du mat. Donc, prépare le Coca-Cola et les chips. Je sais pas si t'as vu, tiens, viens voir deux secondes. Oui. Pour pas se faire gronder par le CSA, j'ai mis des marques un peu déformées juste ici. Donc sushi, maki, hot dog, hamburger, ça c'est pas des marques, mais juste après. Coca-Cola, Pepsi, orange, anis, limonade. Voilà. C'est évidemment pour ne pas avoir le CSA, même si sur internet, les CSA n'existent pas. Voilà. Donc on va dire toutes ces marques au doigt. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, rappelons-le. Qui, j'aime boire de l'orange. Gianni. Laurent Gianni, du Coca-Cola et du Pepsi. Alors, pour les maisons, ça va être un peu compliqué parce que le bois, il ressemble à ça. Non, on oublie. Mais heureusement, j'ai la solution. Aha. Netherrack, putain. Bon, le truc, c'est qu'il n'y a pas les escaliers et les dalles de cette couleur, mais on en a au pire de cette couleur-là. Eh ben écoute, on va faire avec ce qu'on a. Alors, on va faire les piliers de la maison déjà. Parce qu'on a une maison de fou. On fait d'un côté, on va faire ça symétrique. On fait le mur arrière, évidemment. Alors pour l'instant, c'est très basique. Hein. Bah évidemment, bien sûr que ça va être basique. De toute façon. Est-ce qu'on fait la base en cobble comme chez Azure? Ouais, évidemment, parce qu'on est des gros fanboys. On est des gros fanboys de Bob Lennon, alors on fait. Voilà. La musique est terminée, ça me rend triste. Moi aussi. Remets du violon, tiens. On va remettre une autre musique de violon. Voilà. Voilà, on a ce qu'il faut maintenant. Ah, on est content, là. Alors, donc l'arrière, c'est bon. On va mettre, bien sûr, la porte arrière. Toujours très important. En une fer. Une porte avec une petite torche. Oui. Non, remarque, non. Pas de torche. Pourquoi donc? Mets une torche, tu verrais bien quoi ça ressemble. Bah ouais, ça ressemble à une lampe, c'est pas grave. Hein. Bon bah alors mets. C'est une lampe électrique, car on est moderne à Didi City ou je sais pas quoi. Non, il faudrait qu'on lui donne un nom à cette map, tiens. Bah ouais. C'est pas grave, on aura tout le temps pour réfléchir. Bon, on va se faire un petit sol quand même. Bien sûr. C'est la base. Alors maintenant on a des tapis, hein, donc faut pas hésiter à mettre des tapis. Des beaux petits tapis. Des tapis de riches. Avec des têtes d'ours. Non, des vrais ours. Ouais, des tapis. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sauf si tu l'as acheté chez un marchand de carpettes. On a un problème. Ah, on a pas de problème. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai cassé un bloc. Oh mon dieu, il a cassé un bloc! C'est pas comme si on avait 3 millions de milliards sur Minecraft. Donc voilà, ici magnifique piscine dont on a oublié évidemment l'échelle et le plongeoir. Et bien on s'en fout parce que le gars va rester coincé dans sa piscine et il fera pas chier. On va lui mettre quand même un petit plongeoir parce qu'on est généreux. Et parce que il a un petit plongeoir de merde en fait. Pas grave, on s'en fiche. Si c'est grave, oh, hey, oh, tu m'arrêtes pas, moi. Youhou. Voilà, c'est génial, il est content. Par contre, il pourra plus sortir de la piscine. Il n'y a pas d'échelle. Oh là là. Oh là quel... là. Quel. C'était ça dans les Sims, hein. S'il n'y avait pas d'échelle, il pouvait pas grimper pour sortir de la piscine. Alors, on fait les bases en cobble. Alors, il n'y a pas le CSA sur internet, mais il y a quand même YouTube. Et YouTube, dès que tu mets une musique, il t'engueule. Ouah, connard, t'as mis une musique, je supprime ta vidéo. Là, tu prends un strike, hein, et puis voilà. Voilà. Enfin, pas toujours. Attention. J'avais mis une vidéo, la musique de Gundam Style en entier. J'ai pas eu de strike. Mais bien, écoute. Ça dépend. Tu as eu de la chance. Oh, ça rame. Je crois que c'est à chaque fois que je change de... C'est toutes les 5 minutes, hein. Toutes les 5 minutes vous aurez des gros coups de lag. Je suis désolé. Parce que c'est mon arrière-plan de bureau, mon papier peint qui change. Mais enlève ça.
J'arrive pas à le désactiver. C'est très simple, tu fous un nouveau papier peint et voilà. L'arrière-plan du bureau. Tu mets le thème Windows normal comme j'ai fait et puis voilà. On va en prendre juste un. Bridou. Merde, j'ai plus le truc avec le badumts. Mon magnifique Zigbox. Alors, Gogo est en train de faire les murs. Est-ce que tu penses que c'est bien une maison comme ça? Oui, il faut l'aménager, il faut tout construire, mais oui. Oui, les bases, évidemment. Déjà, moi, je pose les bases des fenêtres. Parce que les fenêtres, c'est très important. Ah, mais ça joue le rôle de lumière. Ah oui. Énormément. Alors, j'ai pas toutes les musiques qui ont été changées. Est-ce que ça fonctionne? Ah, super musique qui réveille, qui donne du peps. Da. Est-ce que c'est pas mal ça? Ouais, je pense que le bois penché comme ça, ça peut le faire. C'est pas mal du tout, les amis. Mais loup. Eh, mais loup. Tu tweets. Bon, on peut faire un deuxième étage, mais en fait non, parce qu'ils sont riches, mais quand même, ils sont raisonnables. Ils sont riches, mais bon, ils ont juste mis trop d'argent dans la voiture, en fait. Ah, parce qu'il y a une voiture. Cool. Sur le parking, à l'autre bout de la terre. Ah oui, à l'autre bout de la map, il y a un parking, c'est là où les gens, ils rangent leur voiture. On ne range pas une voiture sur un parking, excuse-moi, on la gare. Pour eux, les voitures, c'est comme des petits objets, des porte-clés. Donc, ils les rangent, ils les jettent sur le parking. Les voitures, ils s'en fichent. T'es sûr de ça, là? Bah, si tu m'embêtes, je fais ça aussi. Dis donc, on est sur ma map, hein. Moi, j'y serai pas, Adman. Je suis le maître du serveur ultime. Oui, mais c'est quand même... enfin, bref. On va pas s'embrouiller. Amour et chocolat. Amour et beauté. Tout va bien. Strasbourg aussi. Oui, amour, beauté, Strasbourg et chocolat. Ça pourrait faire un film super. Sous-titré en coréen. Avec des musiques mandarin. Des musiques en mandarin, oui. Donc, ici évidemment une petite torche pour faire la déco. Oh, c'est mignon. Il a pété le cube. Bon, bravo. Alors, pour l'entrée de la maison, évidemment, quoi de mieux que le que je le retrouve. Bon, c'est pas grave. Le gravier, voilà. Qui a l'ancienne texture. Hein. Ça, c'est l'ancienne texture du gravier. Il a changé depuis. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses? Tu préfères celle-là ou la nouvelle? Pour moi, ça m'est un peu égal, même si je préfère le... Cette texture, ouais, c'est vrai qu'elle est un peu... Ouais, ouais, tout à fait, mon loup, t'as compris. Alors, attention, parce que les fleurs, tu vois, il y en a également des bleus. Ah oui, ça c'est chez nous, ça. Chez nous, on a des fleurs bleues. Mon loup, tu vois. Et là, tu peux pas tester. Tu peux pas tester mes fleurs bleues. Parce que tout va bien. Alors ça, pourquoi t'as mis ça, wesh, mon loup? À la limite, tu peux continuer, hein. Tu peux faire ça comme ça, pour délimiter vraiment le terrain. Alors, si tu regardais les commentaires, il y a le monsieur qui s'appelle D. James Coe, qui dit « Fais une cheminée ». Ça fera bien, je pense. Une cheminée! En gros, on va tout faire brûler dans la baraque. Non, une cheminée éteinte, c'est déjà pas mal. Une cheminée allumée, je sais que ça va partir en cacahuète. C'est fortement vrai. Donc ça, on peut faire ça comme ça. Je m'embrouille. Mais c'est dingue comme je lag. Enfin, parce que c'est hébergé chez toi, évidemment, mais... Je lag. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, commençons le toit.
Attends, et il lui fout lui, dis donc, et on se calme. T'as oublié quelque chose de primordial. L'avant de la maison. Bon, oh lol, il a mis des fences. Oui, très original. Non mais c'est bien. Moi je trouve. Et si tu aimes pas, c'est pareil. Tu vas mourir. J'aime. J'ai mot. Voilà, une super musique originale de Minecraft. Alors, on va mettre du gazon quand même. Y'a pas de raison. Ouais, bon, donc, ça rend bien. L'avant de notre belle maison. Youpi, on est riche. Évidemment, l'entrée. Alors, l'entrée qui est une entrée. Confirmez-le-vous. Je confirme que c'est une sortie. Youpi, on est mal barré. Bon alors, il nous faut un lit, une salle de bain, une cuisine et un garage. Faites-moi ça. Vas-y, libère-toi, tu vas voir, c'est fait. Oh, c'est formidable. C'est de la magie. C'est de la magie. Double mur. Tu connais Jean-Jacques? Ah oui, Jean-Jacques va nous aider. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est gore comme scène, franchement. Moins 18, hein. Oh, il a tué Jean-Jacques. Après, c'est... D'ailleurs, j'espère que vous avez vu la vidéo L'attaque des Jean-Jacques. Ah, formidable, hein, cinéma et tout. La vidéo totalement Jean-Jacquienne, je dirais. Oui, monsieur, Jean-Jacquienne. Alors, nous avons atteint un pic de connexion simultanée de 5. C'est pas mal. À cette heure-ci, franchement. Oui. Mais tu peux en enlever un parce que j'en fais partie. Ah, 4. Ouh. Ah, mais je peux en enlever un parce que je fais partie. Bon, 3. Non, 4, parce que moi, je regarde pas le live. Enfin, a priori... Et ta maman le regarde aussi. Non. S'il y avait des gens de ma famille qui regarderaient, ça se saurait. Alors. Déjà, on n'a pas de table. Tu sais à quoi ressemble les tables de craft, hein? Ouf. Oh, c'est bien moche. C'est bien moche dans une maison, je parle. Oui. Ça, c'est plutôt dans la salle de bain. Oui, voilà, ça je ferais pas ça maintenant, la salle de. Enfin, dans la maison là, maintenant. Alors, vu qu'on est en entrée, on va mettre tapis, un beau tapis. Il s'appelle comment le tapis? Il s'appelle Roger. Carpette. Ou une cible, magnifique. C'est pas une cible. Moi je vois une cible. Alors, tu vois, on peut mettre des tapis comme ça et faire du tapis volant. D'accord. Et attention. Pii. Voilà, ça s'appelle le tapis volant. C'est juste trop cool. Bien, cessons les bêtises et les bavardes. Mais pas partout, hein. Oh le fou, arrête. Mais pourquoi? On va pas mettre partout le tapis, sinon ça va servir à rien de mettre du bois. Et ça s'appelle un tapis. On en met jusqu'à là. C'est pas une moquette. Bon. Mais non. Non mais au moins comme ça, mais si. Ok. Bon, alors juste un petit tapis, t'as raison. Oui. Pour lui faire plaisir. Sinon, il va rechigner. D'ailleurs, je défonçais le sol de la maison au passage. Voilà. Bon, tu as fait une connerie, voilà, bravo. Là, c'est un beau tapis. Connerie. Bien, c'est un beau tapis. J'ai donné un pet dans le micro, c'est pas grave. Un put. Ensuite. À quoi je ressemble avec ça? Ouf, ok. Tu es très beau. Un creeper avec une couronne sur la tronche. C'est pas grave. C'est la classe. Donc, ici on a fait l'entrée. Et on a déjà pris la moitié de la maison. Ça va être une maison très simpliste.
Voilà. Pour commencer, hein, on met les bases. Une maison simpliste, mais de riche. De riche simpliste. C'est des gens riches, mais simples. Hop, alors, il nous faut une chambre. On fait où la chambre? On la fait là, évidemment. Est-ce qu'on met des murs dans les pièces pour délimiter les pièces? Non, non. Je veux pas de murs. Ou alors juste un, mais parce que sinon ça va faire trop la maison en labyrinthe. Oui. on sépare tout en deux, parce qu'on est des fous, nous. Mais non, il est malade! Il est malade, mon loup! Voilà, c'est mieux comme ça. A priori. Musique! Ouais, j'avoue, parce qu'il y en a plus. J'hésite de mettre des musiques parce que si elles sont copyrightées, on ça le fout. Fait pas. Quoi, ça le fait pas, wesh? Ah non, celle-là elle est copyrightée. Et je le sais. On va remettre celle d'avant. Allez, c'est parti. Yeah, easy money. Alors. Une porte. Alors on peut mettre une porte en bois, sachant que les portes en bois c'est du velours. Le tridense. Regarde. Admire les portes en bois. Ouais, ça ressemble à ça, mais c'est pas mal. Mais oui. Bien. Donc on a fait notre porte en bois. Maintenant on fait un lit. On fait un lit ici. Là, trop près de la porte. Un double lit, ok. Voilà. Un double lit? Bah oui, on est riche. Évidemment. Évidemment, avec une table de chevet en bibliothèque, parce qu'on est riche, on aime lire. Et évidemment, la torche. Qui fait lampe de chevet. Bon. Hop. Moi je verrais bien un tapis autour de... Du... Ok, évidemment. Comme ça? Ouais. Oui, bah on peut faire avec la laine, c'est bien aussi. Parce que le tapis, tu verras à travers... Blablabla, berk, berk. Alors, un petit tour, le point commentaire. Pas de nouveau. Non, les gens ne commentent pas. Eh ben, ils ont raison. On fait un coin salle de bain ici maintenant. Là. T'inquiète, moi je suis un pro des salles de bain. Il faut de l'eau partout. Alors c'est une quoi, un salle de bain, salle de bain ouverte. Ouais, d'accord. C'est un peu nul. Mais bon. On s'en fout. De toute façon après on peut copier la maison. Et on copiera la maison. Donc faut qu'on réussisse celle-là. Et on ira au lit. Voilà. Alors les chaudrons ici. Dans ce texture pack, les chaudrons ressemblent à ça, c'est pas mal. On peut faire ça. Alors on va mettre... Ah j'ai mieux. J'ai beaucoup mieux, on va mettre les WC là, la douche ici. Et du coup, un lavabo par là. Désolé, mais c'est moche. Voilà. Alors du coup, vu que c'est un évier, on fait ça. Merde. Pour les WC, on fait ça. Hop, hop, hop. Évidemment, pour la douche. What? Better than... Water bucket. What is better than a water bucket? Vous m'enlevez les mots de la bouche. Bouge, s'il te plaît. Hop là! Non, au secours! Voilà, bravo, félicitations, la maison est inondée. Je comprends pas, normalement ça aurait dû aller tout simplement... Attends. Là, ça fonctionne. Bon. Ah ok, il veut pas. Félicitations, la maison est encore inondée.
Apparemment, il refuse, donc... J'ai une meilleure idée. Faudrait que tu mettes un panneau... ici, là, sur le truc, non? On mettra un... Oups. Oups. Ceci est un bloc. Voilà. C'est moche, ça. Comment on peut faire? À la limite, on fait pas. On fait juste ça. Ou mieux. Peut-être. Mais oh yo, je calme. Oh yo, je calme. Ça le fait, ça? Comme douche, ça peut le faire, hein. Putain, paye ta douche. Non, mais c'est vrai. Ça peut faire ouais. Douche design. Mini douche. Ou à la limite, on inverse ça et ça. Ouais, ça le fait. Ça ouais, fait je bien. Te rappelle que tu feras une cheminée aussi. Hein. Ouais, mais la cheminée, t'inquiète, il y aura le conduit, mais il y aura pas la base. Oui, il vaut mieux pas. Hop là. Changement de disque. Je fais le disque jockey aujourd'hui. Ce soir même. Incroyable. Enfin, ce matin. Ce matin, on peut. Est-ce qu'on peut dire qu'on est le matin? Uh-huh. Oui. On est le matin. Tu peux continuer, moi je vais faire le toit. Je fais le toit également. Non. Tu peux continuer, je fais le toit. C'est le plus simple. Non, je fais le toit. Nous faisons le toit, tiens. Non, je fais le toit. Non, faisons-le. Ok, moi je fais l'intérieur et toi tu fais l'extérieur. Du toit ? Oui, moi je fais les trucs comme ça. Attention, quelle synchronisation parfaite. Attention mon cher Nelson, Didi arrive en rythme. Attention, il est prêt à dépasser. Et malheureusement, grâce à ses problèmes handicapants, de connexion de merde, malheureusement, il ne pourra pas atteindre la victoire. Putain, ça bug comme Mathusalem. Je rappelle, au cas où vous savez pas, que Mathusalem bug. C'est ce que je suis en train de me demander, tiens. Hop, 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 hop. J'espère qu'on va pas avoir de soucis avec la musique. Ah, attends, attends, j'arrive. Synchronisation, t'es trop rapide pour moi. Merde. Merde. Mais calmos. Il va m'enfermer. Le gars, il fait n'importe quoi. Ouais, je vois ça. Ah. T'as fait un bug là par contre. Non, c'est toi qui as fait le bug, désolé. Voilà, et ici évidemment, mais quoi mon loup? Non. Vilain loup. On met des fenêtres. Pour l'éclairage, la lumière diffuse. Et de l'intérieur, ça rend pas mal avec les escaliers à l'envers. Oui, on voit. Oh oui. Alors est-ce qu'on peut faire ça? Non, on fait pas ça. Non, non. Ouais, ça fait spacieux. Alors pour la salle de bain, j'ai quand même une petite idée. On peut faire ça. Ouais, éventuellement, ouais. Ça tu fait un petit mur, même si on voit. C'est pas grave. Ça fait un petit paravent. Enfin, je me comprends. Oui, on se comprend. Du coup, faut pas mettre de dalle ici, sinon ça ouvre les portes de la salle de bain. Voilà. Alors, attends, un petit test. Oh, la maison a l'air éclairée. Enfin, en tout cas, pas de l'intérieur. Il faudrait éclairer l'entrée. Tout à fait. Et pour ceci, nous avons cela. Voilà, mon loup, c'est éclairé. J'en dis, c'est une belle maison. Ouais, je trouve qu'elle est bien.
Et bon allez, parce que je suis fou, hein, mais vraiment parce que je le suis. Hein. Et je risque d'avoir des problèmes avec ça. Ah non, attends, tu sais quoi? Profitons qu'on est en direct pour le faire sur le plateau. Non. Allez, juste non. Un petit aparté. Je fais évidemment le pakistanais et toi tu fais le personnage que tu veux. Le chroniqueur. Oui, mais lequel? Le gars de l'autre fois là. Le gars de l'autre fois. Bon. Alors attention, l'émission va commencer. On est en direct sur D8. C'est parti. La la. Tout, tout, tout. La la. Tout. Et au calque. Ah non. Ça va. On est en direct, je te le rappelle. On est en direct sur D8. Si c'est que les bêtises commencent, ça va pas. Ça va mal barrer. Hein. Attention, le générique! Oh là là, incroyable! Alors. Donc, lui, vous devriez devenir architecte. Pas mal la douche. Sympa les commentaires. Non mais. Merci, hein! Donc, attention. L'émission va commencer. En direct sur D8. Je vous rappelle, on est dans Touche pas à mon poste. Touche pas à mon cube! Bonsoir à tous, ici Cyril Ranouna pour Touche pas à mon cube, bienvenue au chroniqueur dont on connaît pas le nom, salut chroniqueur. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques. Eh ben bonjour Jean-Jacques, alors aujourd'hui on va parler de votre vie, de votre vécu sentimental, parlez-nous-en. Oui d'accord, donc il y a 79 ans, pendant la guerre du Vietnam, je suis tombé amoureux d'une saucisse. Ah, parlez-nous-en, c'est très intéressant. Disons qu'elle venait de Strasbourg et qu'elle avait déjà été mangée par 55 personnes. Voilà. Voilà. Très bien. Un dernier mot avant de nous quitter. Je vive Strasbourg. Très bien. On sent que la foule est en délire. Donc c'était Cyril Ranouna pour TPMP. Touche pas à mon cube. Évidemment TPMC. Hein. j'ai pété le jukebox. On se quitte. Ah. Cyril Ranouna s'est foutu le camp. Donc Cyril je Ranouna, fais le... voilà. C'était Cyril Ranouna, à bientôt. Bye. Allez hop, c'est fini. Donc, l'émission est enregistrée. Elle passera demain en replay sur D8. Voilà. D8. Des 8. Des huîtres. Oh, j'ai pas mon Zigbox là pour mettre les petits jingles de blagues de merde. Mais tu verras dans le live. Enfin, si tu écoutes le live, je pense pas. Mais tu verras peut-être. C'est marrant. Je le regarderai en rediffusion. Oui. C'est bien comme ça, on a fini. Oui, moi je vote oui. Moi je vote non. Moi je vote oui. Moi je vote non. Moi je vote que tu vas voter oui. Moi je vote front cuboïste. Attention. Mais c'est n'importe quoi ça. Vous vous foutez de ma tronche. Là c'est beaucoup mieux. Bon, ça empiète sur la piscine. Mais ça fait un fond de jardin. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, ben oui, pourquoi pas. Hein. On garde comme ça? Ouais, on garde comme ça. Bien, il n'y a plus qu'à dupliquer, soit à la main, soit avec un logiciel. Eh bien, on se fera ça par un logiciel. Hein. Oui, on fera ça avec un logiciel, évidemment. Parce qu'on est des gros flemmards. Des gros flemmards qui profitent des nouvelles technologies. À moins que vous soyez 999 à vouloir rejoindre le serveur et vouloir venir jouer. Auquel cas, évidemment. On dirait oui. Alors... Mets des leviers pour faire les micros, donc il parle là, ne touche pas à mon cube. Jean-Jacques a une jolie voix de pervers. MDR, GG, l'imitation, merci. Il y a de l'animation ce soir sur Ilse Didi pour les gens qui dorment pas. Dédicace. Alors, je vous dédicace tout ça, mes petits. Et j'aimerais bien voir vos numéros, merci. Donc, ça fait 9 de largeur, tu m'entends toujours? Non.
Pourquoi 9 de largeur? La maison fait 9 de largeur. Par contre, entre les deux maisons, on met quoi? Moi, je propose... Plus tard, wesh. Mais attends, on est en train de faire un village ou pas? Mais... Et... Tu... À la main, on a pour moi... Non, on va pas faire la maison. On va pas la copier à la main. On va juste faire entre les deux maisons. Ah bah, viens alors. Voilà, je propose juste de l'herbe, hein. De toute façon, les voisins, ils se verront l'un à côté de l'autre. Coucou voisin, je suis en train d'aller aux toilettes et pourtant tu me vois. Alors si Jean-Jacques habite par là... Si Jean-Jacques, attention, méfiez-vous de Jean-Jacques. On vous le dira jamais assez. Si vous croisez un Jean-Jacques dans la vie, méfiez-vous de lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Surtout s'il a 50 ans. Surtout. Et s'il porte une chemise. Méfiez-vous. Bien. Bon, bah la maison a l'air terminée. On a le dodo. Bon, on n'a pas la cuisine. Hein. On n'a pas la cuisine. Eh, hey, tu te fous de moi? Bah, ils iront commander des pizzas dans le coin. Pizza. Il y a que les sushis en vente, en fait. Non. Ah bah oui, d'accord. Non, parce que figurez-vous que nous avons eu l'honneur, le privilège, la congolexicalisation du loi du marché qui nous permet de faire une cuisine. Oula, la congolexicalisation, ça c'est une grosse... Toi, tu n'as pas vu la vidéo? Si, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu. C'est très, bien. Très méchante référence. La congolexicalisation des lois du marché. Évidemment. Tout le monde le connaît. Alors évidemment, on est riche, alors on se permet des petites folies. D'accord, du Ricard qui pousse. Du Ricard. Non! Non mais non! Oh merde, j'ai pété le sol. Merde! On va faire ça comme ça. Ah, on peut pas. Ah, on peut pas. Alors, on peut pas poser des Ricard sur les blocs de champignons. Ah, très bien, très bien. On va faire ça. Ah non, on peut pas. En fait, on peut sur rien du tout. On peut que par terre. Eh ben, nous avons du picard par terre. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord. Alors, il y a un gars qui nous dit: mettez un arbre au milieu avec de la glowstone autour. Genre là. Ah! Hey, c'est calme! Espèce de violeur. De vitres. Oui, un arbre entre les deux. Oui, avec de la glowstone. Même deux arbres. Oui. Ouais, on va faire ça. Très bonne idée, donc j'approuve. Merci à Chrysler d'avoir noté ce message. Et merci à l'auteur du message, qui est évidemment Van Alst Jesse. Voilà. Alors, vive les noms composés. Non, on critique pas les noms, enfin. Je critique pas, je dis vive. Genre moi je m'appelle Jean-Jacques, donc écoute. Ouais, j'ai amélioré ton canapé, admire. As-tu amélioré mon canapé? Ouais, je vais même encore mieux l'améliorer. Oh mon dieu, on dirait que Valérie D'Amido est passée. Je vais faire un canapé en laine. Hein, c'est choupi. Yeah. Comment c'est trop beau. Ouais. Donc on a fait un coin cuisine, ma foi très magnifique. Et bah voilà. Eh bien, on est d'accord. On est d'accord pour que ça fonctionne. Ouais. Par contre, un petit truc. Parce que on aime bien les grillades chez nous. Et pour faire des grillades, il faut évidemment... Une grille avec une plancha et des trucs comme ça. Et voilà. On peut faire des grillades maintenant. Sushi. Bien. Donc, notre maison est terminée. Comme vous pouvez le voir, c'est sympa. Et donc on va faire juste la haie centrale, enfin le début de la haie. Ici. Hey, c'est parti. Alors qu'est-ce que tu veux sur l'allée comme Attends, je vais te montrer déjà. Faut que je l'amène à bon port. Non, c'est ça. Donc en fait, ce qui aurait été bien, c'est une route ici. Pas une allée, une route, hein. Ah ouais.
Ouais. Mais pire, la route, on la prendra de là-bas. Et bah en fait, cette allée, ça se transforme en trottoir. C'est un trottoir, évidemment. Non mais c'est vrai. On va transformer ça en trottoir. Et donc, il y aura une route ici. C'est formidable. Eh bien, écoute, dis ce que tu veux. Oui, monsieur, c'est ce que je désire. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ouais, j'ai failli me faire emprisonner. Parce que... je vous rappelle que... C'est Eddy Malou, E-D-Y-M-A-L-O-U, premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou, ce qui veut dire la concrétisation des lois du marché. Le gars a appris par cœur. Évidemment. Oui, le sport, le relais. Oh mon dieu, j'adore, c'est mon... C'est... Je le kiffe. C'est mon préféré. D'accord, envoie-lui un message. Parle, je lui dis salut, il me dit alors salut qui vient du latin du latin congolais salutis. Alors il y a le gars qui s'appelle D. James Coe qui nous dit tu aurais dû mettre de l'eau à la place de l'herbe entre les maisons. Ouais mais on n'est pas sur Piliotti et ça ferait inondation je trouve. Oui, je suis d'accord. Voilà, à la limite une petite rivière peut-être un jour, on sait pas mais voilà. On va pas s'épiloguer sur des sujets épineux. Nous parlerons sur de la congolexicalisation plus tard. La congolexicalisation des lois du marché influençant sur Minecraft et son univers cubique et évidemment extrémiste. Voilà. D'accord. Et nous verrons en quoi Minecraft est une action néo-nazie. Voilà, ici ça fait un peu de verdure, de fraîche. Alors comme tu peux voir, l'herbe est vraiment très verte, mais vert pomme. Et en fait, elle est vert pomme partout. Et c'est ça qui est bien chez sur la map donc de Didi Show, c'est que c'est vert, mais de chez vert, partout. On dirait qu'il a plu pendant 30 jours. Sauf que non, il fait toujours beau et il fait toujours vert. D'ailleurs, je peux vous le prouver en enlevant le sur parc. D'ailleurs, il y a la musique qui s'est arrêtée. Vous voyez que la couleur est horrible et la maison aussi, par ailleurs. Donc, on va tout de suite remettre le Ressource Park. Ressource Park, j'arrive plus à parler. Oui, bon, ben après, on parle. Je vais mourir. Excuse-moi, j'arrête pas de parler depuis avant, j'ai pas bu une seule goutte. Oh, la maison est bien horrible. Et la map est bien horrible. C'est Tokyo. C'est mieux avec le Ressource Park. Un garage. Quelqu'un demande un garage. Van Hals Jesse demande un garage. Eh ben non. Non, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que... Garage. On n'a pas la place pour un garage. Je suis navré. C'est vrai, hein? Non, franchement, c'est vrai. Mon petit, ils iront garer leur voiture dans leur parking. Voilà. Non, mais on a déjà une route. Et qui dit route, dit garage. Il a raison. Faut l'écouter. Attends, quand même. Est-ce qu'on pourrait pas faire un garage juste à côté? Si, on pourrait faire un garage juste à côté. Bien sûr. Mais du coup, ça ferait encore plus de place. Ça demanderait encore plus de place. Mm-hmm. Mais soyons fous, écoute. Eddy Malou était fou lui-même. Alors, attention, parce que maintenant, nous avons ceci. Ou peut-être cela... J'ai une idée. Alors nous n'avons pas les briques, car les briques sont transformées en laine. Donc nous allons prendre ceci et également cela. Et je vais nous faire un super garage. Écoute. Pour la voiture. Bon, la fenêtre est bouchée, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fera ça avec... On fera avec, évidemment. Quatre, ça suffit 4.
ça suffit. Ce sera pas des grosses voitures. Tu sais quel bloc c'est ça? White stained clay. Voilà, shit. C'est ça. Ouais, c'est de la de l'argile colorée. Non, moi je verrais plutôt du noir. Du noir, monsieur. Ah, nous avons plusieurs noirs. Nous avons ceci, un noir brun. Non, pas de noir brun. Bloc de charbon, un noir velours. Un noir velours, moi je dirais. Qui va un noir velours, le bonhomme. Et bah, qu'il sait faire fichtre parce que. Non. Un noir. Tu penses que c'est mieux un noir pour le garage? Bien sûr que oui. Très bien. Je te suis. Non. Pour le sol du garage, mais ne te. Calme-toi. Pour le sol du garage. Oui, parce que je me disais aussi, la concolixation n'a rien à voir avec le noir velours. Exactement, non mais. Je vous jure. Les lois du garage, la concolixation des lois du garage. Voilà. Hop. Depuis avant, il y a la même musique, mais on s'en fiche. Hein. On en a rien à foutre, c'est pas grave. Alors, attends. Parce que. Mais il est dingue. Je te signale qu'il risque de tout faire péter. Hein. Merde. Je savais pas. Recule. Bon, t'es vraiment un malade, toi. Tu me ranges ça tout de suite. C'est bon, j'avais arrêté. Formidable. Donc ici, nous avons un trottoir et une route. Donc le trottoir qui ne se fait pas comme ça parce que Gogo n'a pas suivi. Oh, je t'en prie. Non. Si. Seulement là, on va mettre la route directement, qu'est-ce que t'en dis? La route, évidemment. Ah, mais toi, t'es un mec direct, d'accord. Ah, moi, je suis un mec un fou. Attention. Avec, évidemment, ici. Non. Trompé de sens. Ici. Avec un trottoir, évidemment, donc sur le côté, ça peut le faire. Mais il y a un creeper là-bas. Et il s'amuse. Non. Boum. Dead. Tu peux mettre un squelette, un zombie, ce que tu veux, mais pas un creeper. Voilà. Voilà, donc ici on a un trottoir. Et ici donc on va faire... Eddie Malou. Non pas j'ai pensé à lui toute la journée, hein. Même aujourd'hui en faisant les courses à l'éclair, j'ai pensé à Eddie Malou. N'importe quoi. Car oui, en Alsace, il y a un Leclerc. Oula, il y en a un seul. Hein. Non, plein, des milliards de Leclerc. Deux. Un petit point commentaire. Vous faites quoi? Garage souterrain. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit village sur une map destiné au studio, l'univers cinématographique et tout ça. Et télévisuel. Tout ça. L'univers du showbiz, quoi, en gros. Alors, t'es mort? Je ne suis pas mort, non. J'ai regardé les commentaires. Très bien. Ça manque de musique. J'ai pas envie de mettre la même. Et il y a un truc qui est bien et qu'on n'a pas encore mis. Et que je vais mettre. Je vais m'empresser de mettre. Attention. Où il est? Ah, il est là. Non, mais t'es fou! Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et il est fou, lui. Hein. Mais bien sûr que c'est ça qu'il fallait faire. Faut faire des petits traits. Le doublement, le doublage est autorisé. Voilà. Oh, quelle magnifique musique d'ambiance. Voilà, méga musique. Bien. Donc, qu'est-ce qu'un œuf de creeper fout ici? Dans exactement 45 secondes, j'aurais fait 2 heures de live.
et toi, donc évidemment, 1h20. C'est parfait. Pourquoi il y a un creeper qui fait de la congolexicalisation? Ah mais ils réagissent plus quand on les frappe, ils explosent plus, mais c'est vachement bien ça. Arrête. Eh mais toi je vais te ban. Hein. Bah vas-y, c'est de ban. Ouais, you can't parce qu'il est hop et tout ça, tout ça. Moi je dis, cette maison est très belle. Oui. Par contre le garage il faut un toit parce que... Je sais pas toi mais... Ouais ça fait... Et attends, la fenêtre vue de l'intérieur. Pff, on va rien dire. Mais c'est bon, au pire, on fait un petit trou comme ça, voilà. Ouais, au pire, ouais, c'est vrai, t'as raison, on peut. Ça fait vue sur garage, je trouve ça très joli. On peut surveiller notre voiture depuis l'intérieur. Voilà. Coucou, je suis la voiture. Que tu es belle, ma voiture. Voilà. En plus, ça fait de la lumière gratuite. Évidemment. Et je vais mettre une voiture. Voilà, ma voiture. Il est con, lui. Tu peux mettre des chevaux, hein. Non, mais on peut mettre. Ça, t'es sûr? Non. Moi, je crois pas. Ou alors, pas sur les côtés. Par contre, en haut, ça peut le faire. Ah ouais. Ah ouais, grave. Voilà, donc on a fait notre garage, hein. Vous êtes contents? Et la cheminée. Ah, la cheminée, oui. On n'a pas de briques pour faire la cheminée. Comment faire? J'ai une idée. Bon, bonne nuit, je regarderai le live. D'accord. Bon, bah écoute. Les creepers exposent que si vous la cater en créatif, tu aurais pu les laisser. Bon, bonne nuit, je regarderai le live, rediff. Bonne fin de live. Merci, Jamsco. J'espère qu'il y aura une rediff. Oui, normalement, il y en aura une. Bien sûr qu'il y en aura une. Bon, bah écoute, à plus tard. Alors, voilà, on a fait notre cheminée. Comme tu peux le voir. Attends, d'ailleurs, elle mène vers où la cheminée? Ce petit conduit de merde là. Merde, j'ai tout pété. Ça mène vers la cuisine. Et c'est pas trop mal, ça mène vers les fours, donc ça donne un peu de réalisme. Tiens, je te laisse reboucher. Bon, j'ai rebouché. Voilà. Ah! Et dis, Malou, je suis obligé de tout refaire. À cause de ce lag moisi. Voilà. Bon. Moi, je te propose qu'on arrête vers 2h30. Ben, il est 2h30. Non, 23, c'est pas et demi. Attention, on joue pas sur les chiffres. Et que, à la limite, on finisse ça un autre jour. Bien sûr, dans notre live. Voilà. Ou même hors vidéo. Ou même voilà. En vidéo. On verra. La semaine prochaine. En attendant, la route se finit comme ça. Bon, moi je dis qu'on continue la prochaine fois. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, je suis d'accord. Bon. Et ben, c'était Elusidi et Chryser pour. Donc un live de construction d'une ville sur la map Didi Studio, je sais pas quoi. On n'a pas encore trouvé le nom, mais on trouvera sûrement. Bien sûr. Et sur ce, en musique, on vous laisse. On vous dit, vive les creepers. Et à la prochaine, guys. Et ciao. Bonsoir.